Salut à tous mes amis, c'est Mac Maboul pour plein de tutos en vrac. On se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour la présentation, cette fois-ci d'un casque sans fil Bluetooth de la marque Avantry. On passe au test tout de suite. On se retrouve maintenant pour la partie test ou présentation comme vous voulez. Pourquoi je vous présente ce casque aujourd'hui? Parce que j'en suis vraiment fan. Je l'ai reçu il y a plus d'un mois et je l'ai testé vraiment à fond quoi. Je peux vous dire que c'est vraiment un super casque par rapport au prix bien évidemment, car il y a des casques à 300€ et tout, là c'est pas comparable. Donc pour le prix, il coûte 33€, c'est rien pour un casque comme ça. Il a une batterie intégrée, donc vous devez juste recharger de temps en temps. Il tient la charge environ, disons, 8 heures je pense. Oui, 8 heures actifs, hein, donc pendant l'utilisation quoi. Vous voyez qu'il est super esthétique, donc moi vraiment, ça c'est mon avis personnel, bon, je vous laisse juger vous dans les commentaires. Il a des oreillettes mobiles, il est super agréable à porter, donc parce que les oreillettes elles sont faites en mousse, donc c'est vraiment super agréable. Je peux regarder 2-3 films à la suite sans même enlever le casque du tout, ça j'adore. Là vous voyez que je vais vous montrer les quelques petits boutons qui se trouve sur l'oreillette pour pouvoir contrôler ce casque Bluetooth. Sur l'oreillette de gauche, vous avez donc une petite LED qui s'allume lorsque vous allumez votre casque. Pour les boutons, bien évidemment, un bouton on-off pour allumer et éteindre le casque. Il y a également une prise jack, celle qui va vous permettre de recharger votre casque Bluetooth ou bien d'utiliser le casque en même temps que vous le rechargez, quoi. Donc ça redevient un casque filaire normal. Voilà, là vous avez une petite languette pour le volume, donc pousser à droite ou à gauche pour diminuer ou augmenter le volume. L'utilisation de ce casque, elle est vraiment super facile, donc même pour le connecter à votre ordinateur ou à votre smartphone, c'est super simple, il suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton de liaison et ça passe vraiment tout seul. Donc vous voyez que les oreillettes sont mobiles, donc vous pouvez les tourner, ça c'est super agréable parce qu'on sent pas qu'on a un casque dur sur la tête, c'est vraiment mobile dans tous les sens. On peut bien évidemment agrandir et rétrécir le casque, ce que je vais vous montrer tout de suite, comme vous le voyez. Hop. Donc ça c'est vraiment super bien pour ceux qui ont une grosse tête et ceux qui ont des petites têtes, c'est agréable. Moi je peux vraiment plus m'en passer de ce casque. Car la nuit, quand ma femme elle dort et que moi je suis à côté pour regarder des vidéos sur YouTube, pour regarder même un film, obligé, je mets ce casque. Donc avant, je mettais les oreillettes qu'on m'a fournies avec le téléphone. Mais vraiment, ça fait mal aux oreilles au bout de quelques heures. Et parfois, je dors avec, je me réveille le matin, vraiment, j'ai super mal aux oreilles. Avec ce casque, je vous garantis que tout passe vraiment crème. Parfois même, je me réveille le matin, j'ai encore le casque sur la tête. Tout se passe super bien, il est super agréable. Surtout la mousse en cuir qu'ils ont faite autour des oreillettes est vraiment super agréable. Là, je vous présente bon, le fil, le câble qu'on vous offre avec, bien évidemment. C'est le câble d'un côté jack et de l'autre côté USB. C'est tout simplement pour recharger votre casque. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un com et salut !